Et salut YouTube! Terrible, on a essuyé un premier décès dans le précédent épisode, mais Zoé est dehors. On enchaîne. Épisode 5. We'll take a look at our nation's booming oil industry. With the help of our minister of oil, we recorded the... On attend juste que toi tu passes sous un camion en frais. Ah. You're kidding me. Ladies and gentlemen, let's go live to our reporter at the wall. Ah, ils vont relayer l'événement. Beatrice, can you hear me? Yes, Sonia. I'm here at the wall where an attack has just happened. With me is Darren, who witnessed the event. I'm on? Yeah. So I was sleeping in my tent when I heard a bang, like a big explosion, you know. When I got out, I saw a huge fire at the wall. Do you know what caused the explosion? I think a truck smashed into it. That's right, Sonia. A brigade truck crashed into the wall, killing a teenager on the spot. Nah, you got it wrong. The truck didn't kill the teen, border forces did. They're shooting kids all the time. Hey, don't grab my mic. Oh, looks like we're having some technical difficulties. Wish I could say I'm surprised the brigades are behind this, but I can't. Thank you for your report, Beatrice. Have no fear. L'information pas du tout manipulée, bien sûr. Nothing like this occurs on election day. Remember, I'll be there live. Now let's take a moment to... Le sacrifice a été utile. Ouais, mais d'un autre côté, ils sont en train de bien mentir comme il faut pour couvrir le merdier, quoi. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. As we approach election day, more and more protests are occurring. Donc on imagine qu'au stade où on en est, Zoé n'a pas encore publié son papier, quoi. The brigades in jail. As you know, the Sonia Show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear. Donc là, ça va être le choix du perso. Missing teen report. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, mais plus on avance, et plus c'est un délire, quoi. Please call the Sonia hotline. Sonia Lèche-Botte, ouais, non mais Sonia la collabo, ouais. Alors, nous avons un jeune ado de 14 ans avec 6$ en poche et 4 d'énergie. Il est à 1200 bornes de la frontière, il est à pied. 15 ans, 1$ en poche, 3 d'énergie et il fait du stop. Il est à 1400 bornes de la frontière. Et là, on a une ado de 16 ans avec 2$ en poche, 6 d'énergie à pied à 1200 bornes. C'est vrai que d'un côté, il y a cet ado là avec les 6$ en poche, mais le problème c'est que même si j'ai moins de pognon ici, il y a 6 d'énergie malgré tout. Take a good hard look. Je vais favoriser l'énergie, ça donne plus d'action possible. And that has been the Sonia Show. À favoriser ça. Ah oui d'accord, on est complètement à l'est là. Après on a toutes les compétences, donc ça va peut-être nous faciliter un peu la run. On l'a vu de toute façon, à la run précédente j'ai commencé, j'avais que dalle dans les poches, ça m'a pas empêché d'arriver à la grotte à la fin, j'avais 150$ en poche quoi. Bon là on est à pied, on démarre pas forcément très bien, mais why not. 30 juillet. Let's get serious. Et donc on a une station, une espèce de vieux resto-route dégueulasse. Mais c'est le camion Papa Ours. Ça va, je te vas vite, demain tu as fini le jeu. Bah il considère entre 7 et 10 heures pour finir le jeu. Voir ça peut monter un petit peu plus si t'as fait la majorité de tes déplacements à pied quoi. Que dalle. Oh l'ATM. Il faut une carte. Ça par contre j'ai pas ça. Attends, je peux crocheter ça. Alors avant de crocheter ça, on va faire le tour du bâtiment. Histoire de comprendre l'intérêt de crocheter ça. Chuck's isn't open right now. Renovation. Voilà l'intérêt. Music? No, you don't. You and that skinny guy. Go on. But make it quick. I win. Hand over the wheel, Robert. D'accord. Il y a les brigades là-dedans. Not me. Papa Bear's mailed an air hockey pack through Satan. Oh, il y a une moula à se faire là. But what about you, kid? We've got ourselves a contender. Vas-y, s'il y a de la moula à se faire, moi je suis joueur, moi. En plus, on game contre Papa Ours là. Let's go.
Let's go. Eden. Nah, you just got lucky. See what you got, young blood. Oh. Allez. You're not on the Olympic squad, are you? You're making my day, kid. Hop là. Outspeed. The kid's a winner. I don't like it. Don't like it one bit. But you beat me, young blood. Fair and square. Allez. Come on, drinks all round. I'm paying. Parfait. 15 balles dans les poches. Let's go, c'est pour bébé. John was an excellent goalkeeper in his younger years, but came up short of making the national team. Guess it still bothers him. There are a lot of things that bother me, Robert. Oh, you're not. It's just that John's still living in the past. Chuck, serve this girl a martyr. Here we go. A martyr. About that, Robert? Our friend here is practically an adult, aren't you? Tiens, tiens. Pas trop ce qu'ils m'ont servi là, mais I did. Makes me sick them saying the brigades did it. What about you? What do you think? Ouais. I wish I could 100% agree, but I've seen many politicians come and go. Me? No. My name is Robert, kid. Nice to meet you. You know, I do believe there's a reason you're here today. Maybe you should push on, young bud. It's getting late. Oula. Oh, young bud. You okay? You're a little... Voilà, d'accord, la conséquence du verre. Voilà, 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 voilà. Oh, reset mental, boum. The mother? Everything. Ils m'ont fait un cercueil en fait. Le martyr, c'est un cercueil littéralement quoi. Super. Bonne ambiance quoi. Boum. Et un d'énergie en moins. Let's go. Kid, wake up. Wake up. Bonjour. Haha, I see. Come on. I want to show you something. Something big. C'est quoi, c'est un brownie? Je peux me lever? Non, je peux pas. Au secours. Welcome to the brigade's secret hideout. Oh. Oh. Ah. Ah, c'est pour moi ça. Compensation. Ah. C'est pour les clés de la bagnole. Quoique c'est pas des clés de bagnole. Allez. John and I were at the border in 86. The brigades have been around for many years. Donc on est dans le QG des brigades. Énorme. Tu m'étonnes que l'entrée était bouclée jusque là. A girl crossed recently. We think she's the catalyst the revolution needs. Zoé. J'ai réussi à passer, donc tranquille, ça s'est validé. The transmitter is one of our biggest achievements. The police are looking for it. But they'll never get their hands on it. Mm-hmm. We have something special planned for election day. Wait and see. Voilà. Come on, I'll show you. What's the kid doing here, Robert? Bonjour, manche. The kid's political. Besides, aren't we on the lookout for fresh blood? See? She's not gonna say a word. Let me start with a big piece of news. Thanks to Zoe, we have intel showing the tyrant behind the collapse. Just like we've always suspected. You're just like us, kid. We tried to end his life that day. Ah oui, d'accord, carrément. The explosives on the peak. Each year they set it off to prevent avalanches. Must have set off too much in 86. I have some other big news. I have a plan to rig a Tyrak billboard. We'll attract cops to it by broadcasting a fake signal.
When they arrive, boom, we trigger the device. D'où la bombe. D'accord, c'est bon. Les éléments commencent à s'assembler petit à petit là. But it's a good start and we'll send a strong message. Do I have any volunteers? Moi. That's great, kid. But I think we'll go with hardened brigades here. I'll do it, Robert. This isn't who we are. They're sending teens to the work camp, John. Protests aren't cutting it. And Flores sure as hell won't cut it either. Robert's right. We need to attack. Now. Salut Twitch, je t'engouche, passe vite fait pour faire un coucou, souhaiter une bonne fin de live à tout le monde, à la prochaine. Ça marche, à une prochaine. Merci d'être passé. The kid's out, Robert. He doesn't want to be involved in this. For Christ's sakes, his mom's a cop. We don't need Alex. We can find somebody else to do this. I'm telling you all, violence will do more harm than good. Funny, don't you think, kid? Funny because John and his girlfriend were the ones who drove the truck to kill Tyrak in 86. I've changed, Robert. Yes, you have. Look, we should vote and settle this right now. Il va y avoir une égalité parfaite, ça va être à moi de trancher. Need to be more aggressive. I don't. I do. I do. I refrain. I don't. I don't. I do. Free against free. Let's ask the kid. Voilà. Sans déconner. That's why you brought her in. To vote on your side. Incredible. Kid, what do you think? Ah oui, d'accord. Ok. Je peux m'abstenir. Ou alors je peux prendre parti. Vous en dites quoi? Allez. Petit sondage vite fait là, vous en dites quoi? Martyr, ça mélange de tout, normal que la hymne de saison ait été mise KO. Ah bah oui, non mais là, ils m'ont fait, je dis, ils m'ont fait un cercueil là, ils m'ont fait un mélange de tout le merdier là. La violence n'est pas une solution. Réponse D, d'accord, 2, 2, la violence n'est pas une solution, là pour l'instant j'ai beaucoup, enfin j'ai beaucoup. Majoritairement des 2. On veut du sang, ah d'accord, donc là le 1. Le 2. 2 aussi. Ah, le 1. Arrête ton baratin, chéri. Là, visiblement, on n'est plus question du baratin, là, maintenant. Là. Bon, visiblement, on est plus sur des deux que, qu'autre chose. You blew it, kid. I thought you had the makings of a real brigade. Après, je vous avoue que j'aurais pas totalement été contre non plus lui faire exploser la gueule à l'autre tétard, là. Guys, picked it up on the scanner. The police on their way. We all know what we need to do. Get in our cars and leave calmly. Kid, no need to worry. They'll never suspect you. Okay. Hey kid, wanna play? We can put down some money if you want. Let's play. Voilà. Oh putain. Je suis en train de bouffer. Ah bah bon appétit. Let's go. You win fair and square. Here's your money. Ah oui d'accord, c'est que t'as mis un sondage. Ah oui, ok, j'avais pas vu. Another game? Bon. Let's play. Merde. Merde. Non. Voilà, mieux. Non, je me suis fait bise à mon propre truc, à mon propre. Ah. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Let's go. Let's go. Okay, you win. Fair and square. Another game? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je t'ai piqué 10 dollars. Nothing to see here, kid. Voilà. Bonjour. I did. But kids are dying all the time in the pits. Je viens de perdre le point, mais c'est elle qui commence. Ouais. C'est toujours mon adversaire qui commence, visiblement.
Ok. Est-ce qu'il y a des choses à faire, à voir, à prendre? Bon, vous, vous m'emmerdez. Ok. Bon. Tirons-nous. Par contre, je vais pas me tirer totalement comme ça non plus. Là, on peut se reposer, gratter un d'énergie. Et là-bas, je crois que je pouvais crocheter un truc. Ah bah non, j'ai la clé. Oh. Pas besoin de crocheter quoi que ce soit, j'ai la clé. Ah! Ça, ça va encore être une carotte immense. Ça alors! Il n'y a eu aucun ticket Sonia gagnant, hein. Mais vraiment zéro. Hein. Et des clés de bagnole. Donc c'est juste pour récupérer les clés de la caisse. Les fameux, ah oui, les fameux ananas que Papa Ours était en train de livrer. Ah justement, apparemment il a livré des bouteilles vides et des chaises en bois. Allez, so long et merci. On va se reposer avant de partir pour récupérer un petit point d'énergie. Hop. Histoire qu'on parte en forme. Tac, le petit point, parfait. On start pas trop mal là, on a 30$ en poche, on est quasiment full énergie, on a une clé de bagnole. En vrai, c'est pas mal. Après, la clé de bagnole... Oh, si on remarque, on a, j'allais dire, niveau interaction, c'est pas ouf, mais si, on a bien vu tout à l'heure, on a failli percuter Sonia, quoi. C'est dommage d'ailleurs qu'on ait juste failli. Partir à pied... C'est un flic. Donc par défaut, on va dire... Nope. A tout hasard, est-ce que l'autre elle veut qu'on remette ça là, mais avec une mise? Ah non. Mage. Apparemment elle est restée là toute la journée à attendre, ils ont jamais reset les scores de la journée. Oh. Le burger je peux pas le manger, dommage d'avoir mis full life. Ok bon ici visiblement... J'ai vu ce qu'il y avait à voir. Oups. Ah. Oh. Bah, et le sac. Ah, d'accord. Une cassette des Toxic Avengers. Donc on n'avait pas totalement terminé. Hein. Marrant. Ok. Au burger là-bas, tu te finis pas? Oh, dommage. Bien caché celle-ci. Ouais, mais voilà, l'œil du looter encore une fois. Voilà, voilà. Il fait jour dehors. Hein. Paf! Pas du tout. Allez. Voilà. Et la bagnole. C'est pour ça que j'aime pas les toilettes publiques avec les cabines comme ça. Ça rendrait parano des gens, ça. Allez hop, on tire la caisse et on se barre. Vroom vroom! Un peu taquin de soleil, ouais, très taquinou, ouais. Il y a des trucs qui brûlent partout, là, dans cette cambrousse, c'est fou. 1200 bornes vers la frontière, sauvegarde. Donc là, on va croiser une route, enfin, on va emprunter une route qui est totalement différente, là. John, on a 70% d'interaction, ok. Goldfinger. 007, merci. Thanks for the ride, homegirl. Now I got time to work on this game. Il a toujours son, son gun à clou. Ok, on a une voiture pro Flores donc. On roule à 160, let's go. Anywhere with free electricity. Just need to charge my super dope tech in the back. Energy, it's the bane of my existence. Actually, this kid I met just helped me with an energy problem. Ah. Hop. Not as smart as me, but smart. Ouais. Yo. Ouais, c'est Jimmy Neutron, ouais. J'avoue. I can multitask like an MF-er. Ah, mais nous aide bien quand même. Yo, I got eyes and ears and an IQ of 180, dog. What happened is awful.
Really think the brigades did this? Yeah, the homegirl knows what's up, I think. Mm-hmm. At least on certain issues. Now, let me get back to this beta. Après le développement d'un virus, il en est rendu au développement d'une bêta. On rappelle que dans la run d'avant, il était quand même en train de développer la bombe dont parlait Robert tout à l'heure. Il a fini quasiment toute la run, en fait, c'est insane. Peut-être, ouais, peut-être. Bah là, on est à l'épisode 5, là. Après, si on a... si on a fini les runs avant la fin de la semaine, on continuera à essayer de compléter un peu, quoi. I sell my games, you know. Built that computer too. Pardon. Et tout fait à moitié, non. Nah, sounds stupid, dog. I'm telling you, small computers are the future. Hungry? Ask your small computer for. Il y a pas mal de let's play où les gens font pas les bons choix et perdent. Bah là, en fait, la seule run que j'ai perdue, c'est la dernière là. Mon perso est mort, mais en sauvant Zoé, en permettant à Zoé de traverser le mur, quoi. I'm telling you. Yo, are we gonna play this bad boy or not? It's called Furious Tanks. Vener Tanks. You got tanks, and they're furious. You're blue. This is easy mode. Red tank can't fire. It's like begging you to blow it up. Oh là là, intestable. Ça dégage. Now we play for real. Uh-oh. Alex is about to take off the gloves. Ah, je vois ça, ouais. Yo, maybe we can make it better. Maybe the player has to gather ammo? Maybe the bullets bounce off the walls? What do you think? Ah, les balles qui rebondissent, ça peut être rigolo, ça. Boom! Game time, yo. Un clou ricochet. What do you think? And be honest. I hate liars. Ouais, c'est marrant ça. Okay, but I'm trusting you on this, man. Oh là, oh là. Ah, mes propres balles ne me touchent pas. D'accord. Le plan de cul, quoi. Voilà. Nice. Here's an advance on the profits. And there are sure to be profits. I ain't playing around. Oh, let's go! Allez! Au besoin, on a déjà les 50 balles qui nous permettront de payer le routier à la fin. 100 people will play the same game at the same time. Now that's a good idea. We gotta make that game one day. Ça peut peut-être vous faire sourire le dialogue, mais je vous rappelle que l'action se passe en 1996. No one. I just picked it up on my own. My intellect is vast and sponge-like, dog. Ah. It's not you, homegirl. On rappelle, c'est le fils adoptif de la fliquette, et ses parents sont morts en 86. Not my real parents, anyway. Compliqué. You know the attack in 86? Yeah. Well, I think my bio parents died in the attack too. The really sad part is, I got no memories of them. None. No matter how hard I try, I just have this picture. La photo d'un couple prise le 9 septembre 86, le jour de l'attentat. Alex pense qu'il s'agit de ses parents biologiques. Je crois qu'on a croisé aucun PNJ qui ressemble à ça. Non, me dis pas que c'est Papa Ours et sa femme. Enfin, sa femme décédée, elle aussi. Non, ils avaient pas de fils. Il a jamais parlé d'un enfant. It's from GNN, the day of the attack. They appear for just one sec. I learned a lot about computers enhancing this.
Yeah. In a way, I guess my bio parents did teach me about computers. Thanks, homegirl. Guess I needed to talk and didn't know it. And that's why I'm on the road. They're probably gone. You know, buried underneath the rocks. But I want to find out as much about them as I can. Yeah. It's complicated. Thanks, yo. You can drop me off at the next location. Yo, your fuel is low. Oh, merde. You're gonna run out of gas fast. Ah! Il a abandonné la bagnole. Thanks, homegirl. Appreciate that. Now, crank some music. We best ride in style. Le fils du taxi fou. C'était une fille qu'il avait, lui, je crois. Une fille, je crois qu'il avait. Oh, puis le physique est quand même vachement différent. D'accord, on peut changer avec les années, mais là, il y a quand même une énorme différence, quoi. Putain, la vache, quoi? On est à 50 bandes. Let's go! Ah ouais, d'accord, ok. Bon, on a vite torché le trajet, hein. Alex, on est à 66% des dialogues. Super, super. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ces signes d'émeute là qu'on entend là? OMG. Qu'est-ce qui se passe? Y'a une bagarre dans le machin là? Oh, c'est à l'extérieur, ils sont en train de tout cramer, j'ai l'impression. Voilà, peut-être pas la falloir trop traîner ici. Ah, oh, moto avec un sidecar, y'a les deux autres glands qui sont là. Ah, oh, c'est les manifs. De bagnole et une cassette, merci. Et bon, c'est tout. Ok, merci, au revoir. Cadeau. Ah, c'est qu'il y a des manifs là-bas, d'accord. Apparemment, ça se passe pas bien. Hein. Bien, et bah cassons-nous. Get your tapes and snacks here. Tapes and snacks. Ah, la cassette. 10 dollars. D'accord. Allez, salut. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, lui. On peut rentrer? Oui. Pas leur demander un peu de cash. S'ils ont me regardé comme ça, c'était un plomb, quoi. Welcome to Super Supper. Wanna put some coins in my pig? Quoi? Hein? I know it's not professional, but I put this pig here when Herb's not looking. I got dreams. You think I want to work here all my life? Ouais. Comment je m'évade, moi, après, moi? Occupied. Ah. Ok. Oh, man, thanks for the bread. You know what? Herb's in the back, doing whatever it is Herb does. I'm gonna hook you up, but play it cool. And if you want something else, you'll have to get it from the menu. Ça se tente. Ça se tente. Et merde. I could lose my job. And as terrible as it is, I'd rather not. Dommage. Hein? J'ai quand même droit à un truc à bouffer? D'accord. I don't know. With the brigades. Énorme. I'd be too violent for my taste. Oh no. This here, ladies and gents, is what you'd call a robbery. Évidemment. Woohoo.
Nobody move! Dudes, just take what you want. We got burgers, we got fries. You're safe. Where is it? Well, this is a Super Surfer. Wrong answer, friendo. I'm holding a shotgun. Well, gun or not, the Super Surfer still doesn't have a safe. And who asked you? But Super Supper, like, still has a register, bros. Now you're talking! Mitch, give me that bag for the loot! The bag? I thought you had it! Mitch! You? Shut your pie hole! The piggy bank! Put the money in the piggy bank! Okay, fine, but that's my piggy bank, man. Okay. Mitch, get the pig. I don't think I should leave the door, Stan. Putain. You know, in case someone comes in. Are you killing me, Mitch? Et vous deux. Putain, mais c'est maman, j'ai raté l'avion. Ah, c'est les casseurs flotteurs, les deux, là. Then do it. 60 FPS, c'est au pute. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Take the pig and get everyone's money. Time to donate to the Stan and Mitch Fund. The Stan and Mitch Fund. That's good. Did you just think of that? It'll be okay, Richard. Oh, I'm so scared. I think je suis censé faire quoi avec ça, là? You don't know that. Please, his heart can't take this. Get the money, kid! Thank you. I just need 3 minutes. A minute. Thank you. Hey. We don't have all day! I'm sorry, but I can't. Money is a big deal. We do that, and they win. Can't you see? And you need my money for that plan? Is that it? I wasn't born yesterday. No! No! Get money in that pig! I won't! I refuse! Ça veut pas, hein. I won't! I refuse! All right, take it! What are you doing? We ain't got all day. Kid, I have an idea. Oh là, ça va mal finir ça. You have to trust me. When the time is right, I'll scream my head off, and you jump on the guy with the shotgun. Then I'll save us on my own. Get money in that pig. Oh, fine, take it. Hey, stuff that pig, bud. Sir? Oh no, just call me Mitch. Tout s'est planqué. Alors. Better. You don't have all day. Ok. You've got to save us. Et donc? Make the pig sing, little lady. Ouais. Et donc maintenant? Ah, le mec aux chiottes. Non, mais il reste 40 secondes là, OMG! J'ai fait le tour de tout le monde là! Ouais, et alors je suis censé faire quoi de plus? Allô? We don't have all day. Come on! Get the money, kid! You sure they have nothing more? Stan, let's go! Now hand it over, little lady! You made it rain, kid. Now are you coming with us? Yeah. Wouldn't be a good robbery without a hostage. Stan and Mitch rules. Ah, get off of me! Let's go, Mitch! D'accord. Ça a pas bien fonctionné. Oh, you saved our lives. Oh, it's just too bad they got my pig.
Dude, my dreams were in that pig. Ouais, il y avait aussi mon cash, hein, mais ouais, c'est un détail aussi. Hein. Ah d'accord, ça s'arrête là. Let's go. Ok. Et je peux pas y retourner. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est le fade sur toute la ligne, quoi. Let's go, let's go. Pas besoin d'énergie. Est-ce que ça, c'était pour me reposer? Ouais, donc c'est bon. Le camion, non. Par contre, il y a la bagnole. Bon, bah, prenons la caisse. Hein. Vu qu'on a chopé les clés, hop, bah, on est que la bagnole. Alors, c'est chiant, parce que je comptais me refaire un peu de cash. À 50 bandes de la frontière, c'est un peu emmerdant. Après, je suis full énergie. On va arriver à 9 bornes. Même pas. Un peu avant. C'est marrant, les titres des épisodes à chaque fois, les séquences des épisodes, c'est que des références musicales, c'est marrant. Ah bah ça alors! Incroyable! Ah, oh, ça s'est ouvert quand même. OMG. Hein? D'accord. Y'a rien dans cette caisse à part de l'ennui? On commence à avoir une belle petite collecte, il en manque plus qu'une. Pas énorme. Voilà. Conduire ou planquer la voiture? Bah... Pourquoi planquer la voiture? On va s'arrêter où avec ça? J'ai envie de voir. Curieux là. J'ai envie de voir. Ah mais on a quasiment pas avancé. Ah si, ah si, ah si, ah si, oui d'accord, on arrive au traditionnel 9 km avant la frontière quoi. Finalement ça aurait rien changé parce que conduire de toute façon ça serait forcément arrivé, ça serait forcément arrêté au lac. Ouais là voilà on est sur le bord de la route. Ouais finalement c'était pas une bonne option quoi. Première route. Alors qu'une bagnole. Oh. Il balle ou je remballe. Il y a des hélicos et tout là, what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce plan là maintenant là? Ça y est, le tuyau à propos du lac était vanté, c'est fini. Oh, ouais, oui, what. Taper. Taper, taper, taper. Des patrouilles en hélico autour du lac, let's go, d'accord. Ah, d'accord, il y a un arbre qui s'est effondré en plein milieu. Donc bah on peut plus retourner par là, d'accord. Ça a un petit peu changé ici, hein. Il y a un attentat quand même. Ouais, d'accord, mais bon... T'as une raison, quoi. Bon, comme d'habitude, hein, allez hop, on garde le thème. 5 fuites, 5 tags. Une pierre après l'autre. Ah, c'est un achievement ça? D'accord, bah let's go. Voilà. Le reposer. J'ai pas 50$. J'ai pas 50$. Fuck. Par contre, je peux toujours crocheter la remorque d'un camion. Comment on va se barrer de là? Je regagne qu'un d'énergie. T'as un petit burger surprise qui m'attend là? Pas du tout. Dommage.
Bon là cette fois-ci je vais avoir besoin de mon cash donc je vais rien laisser. C'était là ça avant ce dessin? Peut-être. Y'a aucune trace du passage précédent avec Zoé et compagnie là. Et quand on est sur cette direction là, attends. On n'a pas fait ça. Il y avait l'arbre en travers. Ah évidemment il n'y est plus quoi. C'est un de nos autres chemins d'arrivée. Ah il n'y est plus. Ah bah il est tombé. Ok, bon. Bah l'arbre il était scripted juste pour le passage avec Zoé en fait. Dommage. Ah non, je crois que j'avais raté l'entrée, mais non c'est bon. Bien, maintenant c'est départ à l'avant. Wow. Ok, let's go. Petit lag là. Même le tag de Zoé n'est plus là. Effectivement, oui. Il n'est plus là non plus, ouais. Bon, y a des chances qu'après l'attentat, ça soit devenu un bordel près de la frontière. Là. On n'a pas encore exploité les solutions dangereuses. Hein. Enfin, même si déjà... enfin, dangereuses. On n'a pas non plus utilisé toutes les solutions safe. Hein. Ok, reste le pic. Le pic, c'était 4 d'énergie quand même. Hein. Rien que pour s'engager sur cette voie. Hein. Après, pour 2 d'énergie, je peux crocheter la remorque d'un camion, mais... Oh. Il y a des mots de l'autre grognasse. Ah. Avec les autres loulous, là? Mais non. In just a few days, the nation will honor the victims of 86 and elect its new president. When historians look back on this September 9th, many will consider it the most important day ever in the history of Petria. It's perfect. The entire country will be watching. I agree. The time to act is now. Azoui! Intelligence says the brigades will try something, Mr. President. If they do, I'll crush them once and for all. Of course, I'll be here all day, reporting live at the scene. This has been Sonia Sanchez for GNN. And cut! Ah bah tiens non. You do her hair, is that it? I don't do her hair. Don't be offended. We think her hair is great. Look, Sonia's not seeing anyone right now, all right? Hi, kid. This guy won't let us see Sonia. He thinks we're fans. We stand? D'accord. We're more than that. We're her biggest fans. Nice one, Stan. Yeah. Yeah, you heard the kid. And who are you? Well, whoever you are, get out of here. That goes for you. Mais comment je me casse là du coup parce qu'il bloque le chemin? We made the hairstylist upset. We'll talk to Sonia later. Oh, are you crying, Sonia? A girl. Dad here. In 86. Might as well do it now. This is for you, Lola. Lola is her name. I tried to save her. But the rocks, they kept coming. It's just, sometimes I wish I had died. And she lived. Oh, Sonia. Mitch, behind the rocks. You see what I'm seeing? Ah, c'est maintenant le délire. Come on. Stop right there. You again. Wait, where's the other one? Mitch, the beast! What the? Woohoo! We got him, Mitch! We got the would-be killer! Woohoo! Stan?
Madge? Wait, you know these two S&M guys? Know them? They're the Big Brothers! Hi, Sonia. Oh, hi, Sonia. C'est frangin. You can come here and give me a hug. Now! Right away, yeah. Ma'am. On our way. It's so good to see you too. It's been too long. Ah, l'autre s'en est sorti. I don't want to rain on your family reunion, but he's gone. Not a problem. We'll be here on election day, if he comes back. Yeah, we'll be here. Stan! Aw, oh, Mitch. Oh, I'm sorry I've been so distant. I hope you can forgive me. Don't worry about it, Sonia. Yeah. Don't worry. We're a family. Aw, you guys are the best. Alors celle-là, je l'attendais pas. Deux choses que j'attendais pas. Le fait que elle ait une conscience, que l'autre se ravise, voire même une troisième, que ce soit des, que les deux autres, parce que c'est frangin. And drinks? Can I help you at all? D'accord, donc Stan et Mitch, c'est les frangins de Sonia. Sonia finalement a une conscience. Et devant ça, Zinzerman s'est ravisé. Oh, le lore qui vient prendre une de ses tartes dans la gueule là. Let's go. Hein. Let's go, let's go. Ouf. Ou fed. Alors on peut crocheter un premier camion, on peut crocheter un second camion, hein, on peut forcer ce camion. On peut s'engager par le pic. On peut crocheter ce camion là. Et pour ah, je peux repasser l'examen. D'accord. Mais apparemment crocheter les camions c'est pas le meilleur délire de ce que j'ai cru comprendre. Et le pic ça m'inspire que moyennement confiance. D'une manière ou d'une autre j'ai pas assez de pognon pour soudoyer le mec en bas. Donc on va lui prendre de la bouffe, on va se mettre full life. Voilà. Là-bas les chemins sont condamnés de toute façon, on l'avait déjà vu. Après crocheter le camion ça veut pas forcément dire monter dedans. Peut-être juste examiner le contenu de la remorque. Je sais pas si crocheter le camion ça veut forcément dire s'infiltrer dans la remorque. Je peux forcer une porte, ça me prend 2 d'énergie, je peux en crocheter 2 autres. Et après, bah, je crois que le pic, c'est 4 d'énergie. Le pic, c'est mieux, je trouve. On nous a déjà pas mal de fois mis en garde hein, contre le pic. Hein. C'est 4 d'énergie pour y accéder. Qu'est-ce qui va se passer une fois rendu là-haut? Passer par le pic, grimper. C'est quoi ce choix, là? C'est quoi ça, passer par le pic? C'est quoi ce pictogramme, là? Et je me rappelais pas qu'il y avait deux choix, passer par le pic ou grimper. Moyennement en confiance avec le bazar. Hein. C'est l'un de tes perks? Ah bon? Mais c'est lequel? Comment je peux le voir? Par un inventaire? Non. C'est le perks de quoi ça? C'est le picto de quoi? Je m'en rappelle pas. C'est pas le picto du Lucky Charm, c'est pas le piratage, c'est pas le crochetage, c'est quoi ça? Vous pouvez me rappeler ce que c'est? J'ai un trou de mémoire, je m'en rappelle pas du tout. C'est le dernier affiché. Le dernier affiché. Tout ce dont je me souviens. Ah, le dernier à droite. Alors, je me rappelle pas ce que c'est. Hein. Donc, ça passe par une de mes compétences alors. Endurance peut-être? Ah, je sais pas. Celui que t'as débloqué quand t'as réussi le dialogue avec le dingue de la gâchette. Hein. Ah, je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Là, j'ai l'impression que de toute façon, il n'y a aucune bonne solution. Là, les entre guillemets pseudo bonnes solutions, on les a écoulées. Un truc de prudence, je crois.
Verrons bien. Allez, passe par le pic. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Oui, on le voit en bas dans mes perks, effectivement. Mais alors, c'est quoi ça? Je sais pas. Est-ce que c'est pas le truc pour des options de dialogue supplémentaires? Oh, qu'est-ce qui m'attend là-haut? Bon, au moins, j'ai pu entamer l'ascension sans... sans utiliser d'énergie. Waouh. Moi, c'est pas un truc de prudence, peut-être. Un truc de prudence, peut-être, ouais, je sais plus. Let's go! Ok. Le jeu qui est en train de te faire comprendre que là, t'as peut-être fait une connerie. Là. Force à lui, hein. Ouais, force à sa jambe, ouais. Bon, j'ai la barre de céréales. On rappelle, ça donne 2 d'énergie, la barre de céréales. Ah, donc je vais perdre régulièrement de l'énergie, en fait. Maintenant, question is, comment j'utilise ma barre de céréales quand j'en aurai besoin? Faut aller jusque là-haut, là. What the... ...100% sauter. Sérieux, en plus, il y a des critères RNG pour la traversée? Mais non. Oh là 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 là. Et on a vu ce que ça donnait ma RNG. Hein. Même l'obtention du Lucky Charm, ça m'aide pas tout le temps. Hein. J'aurais tenté l'autre, ouais bah que dalle, ouais. 65%, The Banning of Isaac nous a appris que c'était une valeur relativement proche de 0%. On va éviter de courir. Pour ça, il te faut le porte-bonheur, du coup t'as plus 15%. Ouais, c'est ça, bah je l'ai le Lucky Charm, ouais. Mais Ah, t'imagines le truc, quoi. Là, je vais reperdre de l'énergie, je présume. Nice. En plus de ça, on commence à avoir des conditions météo épouvantables. Bon, je vais éviter de courir, je sais pas pourquoi, mais je me dis que si jamais je cours... Bien joué, on aurait pu croire que c'était un mec qui se cachait là avec le reflet. Bien joué. Le jumpscare a failli fonctionner, hein, j'avoue. Se mettre à l'abri. Et se prendre l'abri sur la gueule, non? Manger? Mais je vais perdre un d'énergie, c'est stupide. La barre de céréales me redonne 2 d'énergie. Vraiment, c'est le seul choix que j'ai, quoi. Ah, j'étais obligé de faire ça, quoi. Mais pour reperdre un derrière, mais c'est stupide! Oh waouh! C'est joli! Salut Père Castor! C'est joli. Hein. Très joli beau. Hein. Qu'est-ce que ça fout ici, ça? Des restes d'explosifs, peut-être ceux utilisés lors de l'attentat de 86. Oh merde! Vraiment? Ah la vanne! Bah oui, bah je repère un d'énergie, super. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, mais vous m'avez fait consommer ma barre de céréales pour air, bordel. Oh.
Oh là 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 là, putain, mais c'est nimpe. Mais c'est nimpe, bordel. Comment ça s'asseoir? Mais bien sûr, on a que ça à foutre. On est à... Putain, mais... Bah oui, asseyons-nous. Bah oui, oui, bah oui, c'est... Tout à fait l'endroit, bien sûr. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé avant? Bon, par contre, c'est vrai que c'est très joli, hein, au demeurant, hein, mais... Au me-jeu, quoi. Ah! On peut rompicher, regagner un d'énergie. Donc t'imagines faire ça avec le perso qui avait 4 d'endurance de base. Il y a un moment, tu n'y arrives pas, quoi. T'as pas l'ondu nécessaire pour arriver là-haut, quoi. Ok, bon, on n'est pas encore sorti d'affaire pour autant. Forcément, on est... Wow, wow. Pourquoi je suis repoussé, là? Forcément, on est monté et un jour, il va falloir redescendre. Oh, putain, t'es sérieux, quoi. What the fuck? Très safe comme solution, bien sûr. Allez, un d'énergie dans le fiac. Je suis du cul. Ah. Et le sac là, non? On peut pas avoir un petit sac de la gridance là? Non, pas du tout. J'aurais pu redormir aux stations routières où t'as pas dormi tout à l'heure, je pense. Ah mais je suis arrivé full énergie, donc je pense pas que ça m'aurait vraiment servi. Je peux pas avancer, là. Bon bah, le sac, so long, hein. Je perds un d'énergie à chaque saut. Waouh, waouh, waouh. Non mais y'a vraiment pas une solution pour... Hein? Mais il est où le sac? Mais il est là. Non mais y'a zéro solution en fait, je peux pas interagir avec le sac. D'accord. Bon bah. Ah, il y a un campement en bas. Il y a des affaires. Ouais, je pense que l'objectif, ça va être d'atteindre ça, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Descendre par la corde. Le sac là, non, lui on l'oublie quoi, définitivement on le laisse tomber quoi. Ça c'est visiblement pas au programme. D'accord. Combien d'énergie on perd dans la descente là? Que dalle, parce qu'on est parti, let's go! Nothing is more important. But there are many others in Petra still loyal. Parce qu'on est parti, on est hyper terminado, finito, finito là maintenant. And their journeys have only just begun. Let's go! Allez, cinquième run, quatrième fuite. Bon, après, est-ce qu'on peut considérer que la quatrième run, elle est loose? Sachant qu'on a permis à Zoé de s'enfuir. Ça reste quand même une victoire. Je trouve. Certes, on a perdu notre personnage. Il s'est sacrifié pour la bonne cause. Mais Zoé, elle est dehors. Ouais, ça va, quoi. Pourquoi t'asseoir au bord et se laisser tomber quand on peut sauter comme une brute? Oui, surtout que voilà, je sais, du coup on n'aura jamais le fin mot, est-ce que le sac était accessible ou pas. Pour aussi, c'est nous win la 4. Bah oui, il y a quand même une victoire derrière. On a quand même permis à Zoé d'aller dehors, de garder un contact régulier avec les brigades, de pouvoir envoyer les documents diplomatiques, tout ça, donc...
pense que ça match quoi. En gros, chaque épisode, c'est un perso qui doit faire le pays. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. On avait qu'un perso différent, en fait, quand on enchaîne l'épisode. T'as un choix avec trois persos qui ont un âge différent, qui ont une quantité de pognon différente sur eux, qui ont des valeurs d'endurance différentes, et qui se trouvent à des distances différentes de la frontière. Et du coup, ça te fait pas start non plus au même endroit. Le start est différent aussi. Donc, il y a des petits éléments pseudo-aléatoires. C'est du procédural sans vraiment l'être, en définitive, quoi. Mais oui, il y a quand même quelque chose quoi. Il y a du ouais, il y a un bout de procédure, il y a un bout de gestion procédurale qui est fait dans le jeu, ouais. Mais qui est beaucoup trop bien. Qui est vraiment trop bien. YouTube, trop bien, c'est le terme. Alors que l'encodage est en surcharge, on sait pas pourquoi, mais voilà. Alors qu'on fait rien, mais l'encodage est en surcharge. Let's go. On fait des gros bisous, ça sent bientôt la fin YouTube. Bientôt l'épisode 6. Et on verra si on fait la complétude derrière, sachant qu'on a encore débloqué quelques achievements aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.